à Ouagadougou, également journaliste, photographe et étudiant, était en formation sur le photojournalisme en période électorale. La formation a été interrompue suite au coup d'État manqué. Et c'est finalement vendredi dernier que les participants ont reçu leur attestation de fin de formation. Plus de précisions avec Lassina Ouattara, Oumar Zombré et Adama Koulibaly. Cette formation, entièrement dispensée par des formateurs nationaux aux journalistes, photographes et étudiants en journalisme, devrait leur permettre d'avoir une bonne maîtrise des outils photojournalisme ainsi que des textes qui régissent le métier. Pour le coordonnateur de cette formation, cela accroître et renforce leur capacité dans les différentes rédactions. La majeure partie des acteurs laisse l'arrêt de travail, alors que le professionnel obligé à donner ce que lui il entend réel. Donc c'est des techniques qu'il faut mettre aux différents photographes de comprendre et de maîtriser. C'est à nous de dire aux collègues de ne pas se contenter de l'après-événement ou bien avant-événement, mais de donner le sujet réel. Parce que le photojournaliste travaille sur le sujet et non ce qui est. Une vingtaine de participants prennent part à cette formation, une formation dont la finalité et de leur permettre d'être plus professionnels dans l'exercice du métier. J'ai reçu encore une connaissance pour aller de l'avant dans mon travail. Avec ce que j'ai appris, je pourrais mieux illustrer mon texte avec des images de qualité faites par moi-même. Et au bout de la formation, les participants reçoivent ici leurs attestations. Mais avant de retrouver leurs rédactions respectives, ils ont fait aux organisateurs quelques recommandations pour l'amélioration des prochaines éditions.